Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça vous arrive d'avoir les mains sèches quand vous mettez du désinfectant? Alors, c'est pour ça pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du désinfectant qui est aussi hydratant pour les mains. Alors, on aurait besoin de l'alcool à 70%, des jets d'aloe vera et un entonnoir. Alors, avec les mains bien propres, on va mélanger la même quantité d'alcool et les gels d'aloe vera. Alors, toujours apporter un papier ou n'importe quoi pour pas salir comme le gel à la table. Alors, j'ai fait comme un sort de petit trait pour savoir où on va mettre environ l'alcool. Alors, on le referme et on le mélange. Alors, et voilà, c'est prêt. Et on va le tester. Ça sent très bon et ça a la texture comme de la crème et on dirait comme si c'est comme on sent même pas et on sait même on dirait même pas que c'est du désinfectant pour les mains. Vraiment. Ok, tu n'as pas le jet d'aloe vera mais tu as la plante. Je vais te montrer comment faire le jet d'aloe vera à partir de la plante. Alors, c'est un morceau d'environ de 10 cm. On va tout le mettre dans un mixeur et on va le mélanger sans l'eau. Alors, on va mettre ce qu'on a mixé dans un petit pot jusqu'à la moitié. On va mettre la même quantité d'alcool que de gel. On mélange tout bien. Et alors, on va le tester. Ça sent rien du tout, ça sent comme l'eau. Si vous voulez, vous pouvez mettre 10 gouttes d'huile d'essentiel. Je vous recommande celui de la lavande ou le thé d'arbre parce qu'ils ont des propriétés antibactériennes et celui de la lavande sent bon. Alors, ceci, c'est qu'on vient juste de faire à une duration de 10 jours. C'est pour ça qu'on a fait un tout petit peu parce que l'aloe vera est une plante naturelle. Alors, on va prendre une étiquette et un crayon noir et on va écrire le temps de la duration. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker, commenter, de t'abonner, d'appuyer sur le petit cloche de notification dans toutes pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on se revoit à la prochaine. Ciao!
Quiero dedicar este video por mis abonados en España, principalmente a Asturias. Gracias por ver mi video. Chao.